Non, Anastasia, la ferme ça. Anastasia, arrête. S'il te plaît. Parrain. Non. Vous avez un visage, moi. Vous songez votre visage, moi, comme ça. Ça veut dire que vous quittez tout pour ça, pour grimmer, mesdames. Je pense que. Après tout, Max, ça veut dire que vous avez un cas là, mesdames, pour grimmer, c'est pas vrai. Pendant ce temps, Daniel, vous avez un tête. C'est pas vrai. Pour ne pas mettre le pour pas mettre le vrai. Dat visage, moi si visage moi t'es comme ça, m'oblige pour vous grimmer ici, m'oblige qu'il y ait un visage pour rester pas ensemble avec vous vraiment. Ah, ça, ça. Vous pensez que si Daniel t'a venu apprendre, moi et ma voix. Il n'y a pas connu un bagage comme ça. Ok, on prend exemple. Si t'a venu connaître que ça fait. Il n'y a pas connu. C'est vous qui avez dit ça? Qui est-ce qui a dit ça? Même j'ai débarqué la carrière. Il n'y a pas connu parce qu'il a fait tout le bagage, monsieur. Là, non, il n'y a pas connu tant que le bagage. Anastasia, Marie, quasi mariage, pardon. Essayez de comprendre le filet. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est Daniel qui faut s'aimer. C'est Daniel qui m'était mis devant. Parce que je voulais laisser tomber les sentiments que je voulais pour lui. Et si je voulais croiser ensemble avec vous, même avec Daniel, je suis sûr que je vais t'apprendre. C'est bien dommage que je ne vienne pas reconnaître tous ces jours après lui. Sinon, je ne vais pas annuler le mariage là. Pour me dire que je vais aller au bout. Anastasia, je suis marié. Et au bout de ça. Même gens que vous avez un foyer, moi-même tout le monde a un foyer. Je vais vous dire que si moi-même, en tant que parrain de mariage, en tant que monde qui t'a conseillé, et moi, je suis venu comme pion pour détruire le mariage. Parrain, ou pas pion pour moi. Il me connaît marié de même que moi, je me connais marié. Ça veut dire, je vais gérer ça de façon très professionnelle. Pour marié, marié, pas de plus belle oreille que ça. Pour respecter le mariage, pour respecter le mariage. Et je demande de réfléchir pour moi parce que j'ai déjà pris une décision. Déjà depuis jeudi, je vais commencer. Je me dis que je ne vais pas tout rien. Mais puisque les gens sont passés, j'ai Daniel levé mes soumets sans aucun. Ça ne me parle pas d'explication. Et je me dis que je ne vais pas quitter pièce, lever mes soumets pour commencer. Alors Daniel levé mes soumets parce qu'il était passé vraiment ensemble avec lui. Mais pareil, je ne vais pas pour commencer. Si Daniel a passé ça, je vais mettre tout ce qu'il y a dans tête client. Je vais faire le réaliser. Qui doute que Daniel a dans tête client que vous-même voulez réaliser? Dans quel sens? Parrain, ou pas un petit moment petit, parrain. Daniel passe dans tête client que moi-même, c'est avec une relation. Oui, nous avons une relation fidèle à parrain. Une relation sentimentale. Je ne sais pas pourquoi Daniel a mis ça dans tête client. Et vous pensez si il a mis ça dans tête client, il a pleuré sur moi jusqu'à ce qu'il fasse maximum, c'est ça? Parrain, s'il te plaît. Depuis que je dis rien, je n'ai pas envie de le parler encore. Je vais changer de monde. Je vais changer de tête, de mon téléphone, de mon cœur aussi. Je ne vais pas dériver jusque-là. Quel objectif de visite, ça va attendre que rapide vite. Encore. Parrain. Excusez-moi si je me passe dans le bureau sans que je ne pas le droit à la base. Même si tout est bien important. Parce que il y a un bagage qui passe dernièrement dans la carrière. Ça va bien finir pour moi ensemble avec Daniel. Daniel était tellement fait jalousie. Il était arrivé le même soir. Et à tel point capable de remarquer que jusqu'à maintenant, je ne peux pas finir encore. À quel objectif il est venu sur moi? Bon, Daniel, je vais faire jalousie, on va arrêter sur ça. Non, jalousie pour qui ça? Parrain, s'il te plaît. Non, faut expliquer. Pour quel motif? Et exactement, moi là, c'est pour une petite conclusion. Parrain.
Allô? Mes amis? Ça vient là-dedans. Et pas sous son bande qui tombe, il fait connaissance quand elle te bat le bon bagay. Je suis là, chérie. Maman! Maman! Soson qui joue ça dessous? Soson qui joue ça dessous? Ah, n'a pas la voix pour pas répondre. Bah, il est Soson. Comment elle est? Pour nous sortir? Soson, oui? Soson! On va répondre? Soson, oui? On va parler? Ma pouvoir pour battre là, c'est ce qui va parler. Anne, achetez pour battre de la mauvaise pour battre pour moi, c'est pas parler. Monsieur, je vous ai obligé de battre. Vous avez fait remettre la pito? Non, son technique, les gens ont des mauvais esprits sous lui, ou battre pour le cavini, pour le cavini parler, pour le dire que c'est sorti. Monsieur, Jean, même si vous dites non, c'est pas ça qui guérit. Vous n'avez pas obligé de battre. Non, vous avez des mauvais esprits à sous. Pas mal, monsieur. Non, non, allez, battre. Moi-même, je vais dominer la vie. Mais même, vous avez entendu, mais seulement un petit cascapon, même pas tellement fait faire confiance. Monsieur Jean, tout à l'heure, ça t'a expliqué nous que Kamel t'es balboué au bagaille qui t'a fait perdre du connaissance. Oh, tant que ça, je ne veux pas dire ça, comment on fait Kounia fait ça? Mais tout le pas, je me songe, tout à l'heure, moi aussi, je me dis ça, mon ça là. Eh bien, on va acheter 3 jours ici, avec quelques balles encore dans ma chérie, juste pour me faire remettre pour monsieur, pour me laver votre. C'est son homme qui est dans votre lit, pour me écarter. Parce que Kamel, ça a trop mal fait, thèse, vous m'en dites. Et dit, viens à lâcher 3 ans ici, moi dans ma chère, avec ma mitzel, maintenant nous connaissons l'autre bagaille où là. Soson? Soson? Hey! Soson? Soson? Allô? Oh, Anne, ça va parler bizarre comme ça, pour qui ça toute agitation ça y est? Faire ça.